Au sommaire de cette édition, fin d'année 2023, les chrétiens catholiques de Yopougon démarrent 2024 à la cathédrale Saint-André de Yopougon. C'est dans la prière qu'ils ont décidé de se recueillir. Un nouveau secrétaire général à la tête de la FESI, Sié Kambou, a été élu parmi 11 candidats à l'occasion du 12e congrès de ce mouvement estudiantin. Le forum Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour le RHDP a été présenté à Abidjan le vendredi 29 décembre 2023. Nous y reviendrons. Des chants d'adoration et de louanges. Par des prières, les paroissiens de Yopougon-Saint-André accueillent l'année 2024. À l'intérieur comme à l'extérieur, la cathédrale est prise d'assaut par les chrétiens catholiques. Alors la vigile, c'est une veillée qui nous permet d'accueillir la nouvelle année et qui s'annonce en prière. Voilà, nous veillons, nous prions, nous avons un programme d'enseignement, de louanges, avec la messe pour accueillir la nouvelle année qui s'annonce. Durant la célébration de la Saint-Sylvestre, les chrétiens catholiques accordent une importance particulière à la bougie. J'achète cette bougie pour moi souhaiter au moins les meilleurs vœux, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour nous, les chrétiens catholiques, nous utilisons beaucoup la bougie dans nos différentes célébrations. Et à la vigile, la bougie symbolise l'action de grâce qui nous permet d'accueillir cette nouvelle année qui s'annonce avec la lumière pour éclairer, parce que le Christ nous l'a dit, hein, et il est la lumière et la lumière dissipe les ténèbres. Et nous donc, avec la lumière, nous rendons grâce à Dieu et nous rentrons avec la joie en action de grâce au Seigneur. C'est la symbolique. La signification de la symbolique de la bougie que nous allumons. Nous allons allumer tout à l'heure aux alentours de 23h50. Ce moment de recueillement chez les chrétiens catholiques se fait chaque 31 décembre en Côte d'Ivoire. Il faut que la paix revienne en Palestine. C'est en tout cas l'objectif que vise la haute cellule de prière interconfessionnelle de Côte d'Ivoire. Aux côtés de l'ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire, une prière est faite pour les victimes et les familles endeuillées. Cette initiative, elle est très importante pour montrer le bon foi de tout le monde, que le peuple ivoirien, de toute sa mosaïque religieuse, et il vient pour montrer deux choses. Premièrement, de présenter Yako, comme ils disent ici, au peuple palestinien à travers moi. Et la deuxième chose, de prier pour la paix en général, et la paix dans la Terre Sainte, et de dire que nous sommes dans les pensées de tous les Ivoiriens, représentés aujourd'hui par ce groupe de mélange de chefs religieux, chefs traditionnels et coutumiers. La délégation présente ambitionne de poursuivre cette initiative afin de contribuer à un retour définitif de la paix dans cette partie du monde. Nous nous sommes rendus compte que depuis le déclenchement de la crise, qui a éclaté malheureusement depuis le 7 octobre dans le Moyen-Orient, les lieux de culte, les leaders religieux dans le monde entier prennent des positions ciblées, des positions catégoriques en condamnant, en justifiant. À la différence qu'en Côte d'Ivoire, au regard de notre éducation religieuse, nous avons décidé d'être impartial en accompagnant le Moyen-Orient par nos actions de prière. Pour cette fin d'année, la haute cellule de prière interconfessionnelle de Côte d'Ivoire a aussi prié pour la République de la Côte d'Ivoire. Sié Kambou est le nouvel homme fort de la FESI. Le 12e secrétaire général de la Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire remplace Alaa Sinclair, dit Makelele, à la tête de ce mouvement. À l'issue du 12e congrès, le nouveau secrétaire général a été élu parmi 11 candidats par des centaines de congressistes venus de tout le pays.
Le général Bo, comme on l'appelle, aura à assumer le secrétariat général de ce mouvement estudiantin de 2023 à 2025. Avant le 12e congrès, des échauffourées avec des individus armés de machettes avaient éclaté sur le campus entre deux courants fascistes, les premiers reprochant aux seconds de repousser l'organisation du congrès afin qu'Alain Sinclair, président de 2019 à 2023, ne se maintienne à la tête du puissant syndicat. Ils se sont retrouvés à Yopougon-Ouassakara le vendredi 29 décembre 2023. Les membres du mouvement politique dénommé Forum Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour le RHDP lancent un appel. Il faut élargir les bases du parti pour un meilleur rassemblement des militants exerçant dans divers secteurs d'activité. Ici, et maintenant lancer un appel à l'ensemble des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire de venir nous rejoindre au niveau du Forum pour qu'on puisse dire au grand public merci pour tout ce qu'il fait pour les fonctionnaires en général. Merci pour les indemnités de logement, merci pour les allocations familiales, merci pour le 13e mois, etc., etc. Et vous, fonctionnaires de Côte d'Ivoire, vous avez dit qu'il n'y avait pas de cadre au niveau du parti qui prenait en compte les fonctionnaires. Parce qu'au niveau du parti, il y a des structures spécialisées qui sont en charge des femmes, des jeunes et des enseignants. Mais le corps de la fonction publique est composé de plusieurs catégories de fonctionnaires. Donc, ce forum est le nôtre pour qu'on se retrouve, pour venir magnifier le président, soutenir le président dans ses actions et l'accompagner dans sa gouvernance. Je remercie le forum des fonctionnaires qui a décidé de magnifier le président de la République à travers les nombreux avantages qu'ils ont eu à avoir avec le président pendant tous ces 13 ans qu'il a passé à la tête de la Côte d'Ivoire. Notons que le mouvement Forum Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour le RHDP est né à Mankono, dans la région du Berry. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne année à toutes et à tous. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci.